revoir les copinettes. Madame Patty, Madame de Mlala. On se voit quand? J'espère que vous allez bien. Hop. Non, c'est pas le début du vlog. J'ai déjà commencé à vlogger. Je vous emmène avec moi. On est à J-9 de la NHA. Et la standiste ne peut pas faire ma prestation pour le stand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de stand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir déployer des moyens d'imagination et d'énergie pour faire de la magie. Donc là, je vous emmène avec moi parce que je dois aller faire du repérage chez Electrodépôt et l'autre là, Conforama, pour noter des trucs. Après, je vais vous montrer mon croquis, mes bêtises. Voilà, ça veut dire que dans les aventures, il y a une nouvelle aventure qui vient de s'ouvrir. Aka, J-9. Il faut tout. Il va falloir faire de la magie, c'est tout. Donc, pour bien vous faire comprendre, Julissou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à J-9. Ça fait des mois et des mois que... non, peut-être pas des mois et des mois, mais bon, je suis rentrée en contact avec la standiste. Et en fait, elle-même attendait des retours de prestataires pour pouvoir me dire le comment, du pourquoi et tout, comment elle allait pouvoir, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Sauf que les prestataires ont mis tellement de temps à répondre qu'elle a dû trancher et me dire qu'elle pourra pas. En plus, elle vient de Guadeloupe, elle fait du travail trop trop bien, trop trop beau, j'avais trop trop hâte. Mais c'est pas grave, on aura le temps de travailler ensemble une autre fois. Julissou's Cosmétiques à 10 ans, hein. Vous croyez vraiment, moi-même mon anniversaire, je le fête pendant presque un mois. Vous croyez vraiment Julissou's Cosmétiques? Ah, je vous ai fait tomber. Je disais donc, avant que ce truc-là ne tombe, retombe. Mon propre anniversaire, je le fête pendant presque... J'ai pas mis de mascara. Je me regarde là, j'ai l'impression... je suis nue, je vois mes yeux, je me dis, ils ont quoi? J'ai oublié de mettre le mascara. Oh là là, je suis partie tellement vite. Bref, tout ça pour dire que mon propre anniversaire, quand je le fais presque pendant un mois, on célèbre plusieurs fois. Donc, vous pensez vraiment, les 10 ans de ma marque, je ne vais pas, on ne va pas. Ah, donc, on profite déjà de la NHA pour faire une première partie, une petite introduction aux 10 ans. Du coup, pourquoi je dis ça? Prestataire, je dis ça pourquoi? Pourquoi je parle d'anniversaire? Je suis relou. Ah oui, je disais parce que du coup, on aura le temps de te retravailler avec elle et vous verrez son travail et tout. Et j'aime trop, j'ai trop hâte. Enfin, voilà. Donc nous maintenant, il va quand même falloir faire le stand. Si vous regardez les vidéos de l'année dernière, pour la NHA, j'ai fait le stand à genre J-2. J'ai pensé, réfléchi, trouvé, monté le stand à J-2. Mais l'année dernière, on n'avait pas 50 mètres carrés. Voilà, on n'avait pas beaucoup de mètres carrés. Et on avait, dans le projet, pas beaucoup, on avait genre 9 mètres, 12 mètres carrés ou 18 mètres carrés, un truc comme ça. C'est facile à habiller. Mais 50 mètres carrés, quand en plus, on est en partenariat avec l'événement, genre c'est nous, on s'occupe du make-up de tout le monde. On va mettre des glitters, la folie partout, une équipe de 12 maquilleurs. Franchement, tu crois vraiment on va faire n'importe quoi? En plus, les 10 ans? Non, on va pas faire n'importe quoi. Donc, au moment où je vous parle, allez-y, madame. Au moment où je vous parle, va falloir que je trouve, dans les trucs que moi, je suis pas sûre de pouvoir gérer, il y a notamment le montage du placo. Sachant que le montage du placo, on l'a fait, nous, l'année dernière. J'ai vu faire l'année d'avant, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais là, je veux quand même un professionnel. Quelqu'un dont c'est les compétences. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Parce que moi, c'est à l'aide de... Je viens comme je suis venue. Je viens comme je suis. Je mets des trous, je fais des trous, je tape des trucs, je mets de la glu et puis je prie. Et ça tient, ça a tenu l'année dernière. Donc bon. Mais cette année, je veux faire les choses bien. Hein? Donc depuis, j'ai réfléchi au stand toute l'année. J'ai fait un mood board de la folie furieuse. Ça dépend à quel moment cette vidéo sortira. Et je vous montrerai le mood board que j'avais fait pour ce truc-là. Et on verra si ça correspond. Ah, je ferai une vidéo genre mood board reality. Et voilà. Et on va manger du gâteau. Ah oui, donc c'est ça que je cherche aussi. Je cherche une nana qui pourrait faire un gâteau pour le 1er juin. Ou je ne sais pas si on fait le dimanche ou le samedi. Je pense que le dimanche, ça peut être bien. J'essouffle. On souffle. Nous soufflâmes.
Monsieur, c'était à moi de passer quand même, hein, franchement. Donc là, direction, premièrement, Castorama. J'ai fait un plan que je vais vous montrer tout à l'heure, un petit croquis que j'ai imaginé dans mon petit cerveau. Et il faut que j'aille estimer combien de placos faudrait-il. Tout va bien. Tout va bien. Et puis, j'ai vu que pas loin de chez moi, vient d'ouvrir un truc de néon. Et à chaque fois, je dis, il faut que je passe les voir, il faut que je passe les voir. Je suis passée les voir, finalement. Je suis passée les voir... et puis genre en fait j'ai trop kiffé et peut-être qu'on aura enfin le néon du Luxus Cosmétique. On va voir ça les amis. Et après aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça c'était le programme des 9 prochains jours. Mais aujourd'hui on a déjà commencé à faire les mails à travailler ce matin. On se lève tôt hein, faut pas croire. J'ai des courbatures, j'ai voulu encore aller au sport mais encore il y a trop de trucs à faire. Donc soit j'y vais ce soir tard, soit ben, de toute façon demain il n'y a pas le choix. Demain il y a sport et après... je vais découvrir un nouveau restaurant. J'ai eu une invitation, donc le restaurant nous a invité, enfin, m'a invité, et du coup j'ai invité une copine dont c'était l'anniversaire. Donc on va aller découvrir ça. Voilà, derrière monsieur, madame. Et puis il y a le brunch ce samedi, dimanche. Voilà, le brunch atelier make-up, trop bien. Il faut que je trouve un moyen de finir mon visuel, mon petit document, il n'y a pas de place. Bon, je cherche une place, les amis. Bisous. Je suis morte de rire. Je voulais vous faire une petite... J'ai fermé. Je voulais vous faire une petite transition. Genre, porte fermée. Genre, je rentre dans la voiture, je vais lâcher des fleurs pour ma copine parce que c'est son anniversaire. Je voulais vous faire ça. Genre, je mets le téléphone dans la voiture, je ferme la porte, je mets à filmer et après, je réouvre comme si... voilà, comme si on filme, quoi. Sauf que du coup, sur ma voiture, il y avait un papier dans la vitre. Vous savez, on a tous vu les vidéos. Oui, s'il y a un papier dans votre portière, s'il y a un ceci, s'il y a un cela, ne restez pas à lire. Partez. Donc, j'ai retiré le papier. J'ai dit, vidéo, vous allez avoir une transition une autre fois. Hein, les Spielberg, on fera ça une autre fois. Et que je vais rentrer et fermer la voiture. On ne sait jamais. Peut-être le mec faisait juste sa pub. Ou peut-être, il avait un plan. Ouh là là. Il y a une toute petite fille qui fait du vélo sur le parking toute seule et elle fonçait droit sur moi. Est-ce que vous sentez l'âme du bricoleur revivre alors que je m'approche des Castorama? Donc là, on va en repérage rapidos, hein. C'est-à-dire qu'on va aller checker la taille des placos pour créer un truc. Ah, Seigneur, voilà ce que je suis venue chercher. Les prix de ces grandes planches-là pour que je fasse mes calculs. Ah ah ah, c'est quoi l'histoire d'agglomérer et tout? Voilà, aïe, j'ai failli tomber. Bon, j'ai vu ce qu'il en était, très bien. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir chez Casto. Là, on est chez Brico Dépôt. Le truc, c'est que dans ma tête, les panneaux que j'ai vus chez Casto sont un peu... Ça me fait prendre beaucoup de panneaux. Donc, je vais voir la taille de ceux de chez Brico Dépôt. Et après, on va faire le plan ensemble, ça va être drôle. Enfin, j'avais fait un croquis vite fait, maintenant que j'ai des vraies dimensions. Maintenant que j'ai des vraies dimensions, on va faire le plan ensemble. Et après, on va chercher. Pour... Après, cette nuit, je passe toute la nuit à chercher sur le bon coin. Un gars qui sait un peu, un ou deux gars ou trois gars, parce que je pense qu'il faudra plus qu'un gars pour monter tout ça. En fait, c'est la même taille mon histoire là. Vous voyez les dimensions? Vous voyez, c'est du 2,40 m sur, oui, il manque un ongle, sur 1200 pour du 12 mm. Vous voyez, ça fait 27 balles. Sachant que, du coup, je suis obligée de le mettre debout. Vous voyez, on est obligé de le mettre debout. Donc, ça veut dire que la largeur qu'on a, c'est 1,20 m. Donc, étant donné qu'un côté du stand fait 10 mètres, rien que ce côté-là, il en faut pour faire 10 mètres. Vous voyez? Vous voyez déjà un peu? Punaise. Purée de pommes de terre. Ok, c'est les tarots. Et lui là-haut, fait voir. 18 balles. Mais j'ai un mur derrière. Et là, on est sur du... Il est plus petit. Il fait quoi? Ouais, ok. 1,25 m. 1,25 m. Tout est à peu près à 1,25 m. Bon, je filme tout, je prends en photo tous les prix, comme ça je vais faire mes calculs. Vous voyez, ce qu'il m'aurait fallu, c'est ça. Vous voyez le grand panneau qui est là, là? Mais ce grand panneau, c'est deux panneaux. Vous voyez, il y a deux panneaux. Et on voit que c'est fixé au milieu. Et du coup, mais c'est ça que j'ai besoin. Ça. Mais du coup, ça, c'est quelle taille le grand qu'ils ont là-haut, là?
Il est où leur bordel? Ah ben c'est ça. C'est ça. Le grand là, ça doit être le grand là. Ça a l'air plus large, hein. Vous n'allez pas vous moquer de moi. Voyez, vous parlez aujourd'hui, j'ai pas mon mètre, mais d'habitude j'ai un mètre avec moi. C'est ah non, ils ont rajouté un bout au milieu, je sais pas si vous voyez. Ok, j'ai capté. Bon, ben ma foi, ok. Ma copine, hein, c'est même pas bien, je suis avec ma copine, mais j'ai pas fini de faire le visuel pour vous faire gagner des places pour la NHA. Et donc du coup, je suis dans la voiture. On est arrivé, hein, on est garé, c'est elle qui filme. C'est ma copine qui filme. Mais du coup, regardez ce qu'on fait. Voilà, donc dans quelques minutes, vous allez pouvoir gagner ça. Vie d'entrepreneur. Jusqu'à elle conduisait, elle me parlait, la pauvre. Regardez ce que je lui applique. Ah, j'ai gâché, c'était bon tout à l'heure. Ouais, je peux montrer ou pas? Tu peux montrer. Oui, zoom, parce que les trucs en haut, c'est le bordel. Bref, voilà, les amis. C'est bien quand même. T'aimes bien ou pas? On a... Ah! Bon, allez, c'est bon, c'est terminé, c'est bon, on va poster ça. Il faut se cotiser pour acheter une coque à Julien. Ok. Donc ça y est, nos places sont arrivées. Alors moi, j'ai choisi en entrée burrata. Ici, on a choisi du poisson... Non, du bœuf mariné. Les tranches d'avocat, elles ont l'air délicieuses. On a différents empanadas qu'on va pouvoir toutes les deux goûter. Et on est chez Classico. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, avant le rush d'avant. On va goûter ça, les amis. En tout cas, ça a l'air bon. Hein. Alors, j'ai coupé mon truc. Là, j'ai coupé dedans. Ça a vraiment bon goût. Je sais pas. Je crois que celui-là, c'est celui qui est au porc. Ou peut-être au fromage. Celui-ci, c'est celui qui est au jambon. En tout cas, j'ai juste un petit peu goûté là. C'est trop bon. Voilà, vous saurez, vous avez une nouvelle petite adresse à venir tester. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce parce que je fais du sport avec Kim? Mais je cale. Moi, au début, je disais, vas-y, quatre petits trucs là, on va avoir faim. Je disais, on va aller manger ailleurs après. Mais que nenni! Par contre, laissez-moi bien vous montrer les farces, comme c'est beau là. Waouh! C'est bien rempli. Et vraiment, c'est bon. Et je suis vraiment blindée là, c'est pas normal. Hein. Alors, je vois qu'en face, en tout cas, on n'est pas blindé. Hein. Alors ça, c'est le plan final de quand on... Monsieur, il est venu dans mon plan. Bref, vous allez vous faire un plan final avec ça. Mais je vous vois déjà venir. Que va dire Kim? Ouais, moi j'ai mal, j'ai des courbatures, donc on va adoucir un peu tout ça. Voilà, c'est tout. Vous dites rien et vous venez goûter chez Classico. On descend. Ça part sur de petits européages dans les magasins. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Donc voilà, chez Zara. Parce que j'ai repéré un ensemble que je voulais voir en vrai, les amis. Aujourd'hui, nous sommes, je sais plus les amis, là, je suis fatiguée physiquement là. Genre, on est le 23 mai, on est jeudi, j'espère que vous allez bien. Alors, la petite journée d'hier était plutôt sympathique, ça a fait une petite pause. Oui, parce que du coup, j'ai passé la journée avec ma pote pour son anniversaire. Et du coup, en fait, on est KO. Parce que du coup, tu arrêtes de courir dans tous les sens. Comme vous le savez, je suis en train d'essayer de gérer en 10 jours la construction du stand de la foire de la NHA. Puisque du coup, suite à l'impossibilité de ma standiste. Et alors, hier, comment on a fait pas mal de choses. Attendez, je vous raconte ça après parce qu'en fait, là, j'ai un entretien. J'ai un entretien en Zoom. Et je vous raconte ça après. Mais on a fait pas mal de choses. On a validé pas mal de choses qui étaient sur ma liste. Le plus important n'y est pas, mais c'est pas mal. Franchement, je vous raconte ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. À tout à l'heure. On va faire un petit zoom. Je sais pas si je vous garde un petit peu. Ah, je vais vous garder un petit peu pendant le début de l'entretien. Attendez, je vais vous placer
ou je sais pas. Effectivement, en tant qu'entrepreneuse, c'est pas toujours évident. Il y a des hauts et des bas. Avec toutes les réussites et tout ça que ça englobe. Et donc, du coup, j'avais aussi vu les précédents vlogs avec toutes tes expériences en fait négatives dans l'entrepreneuriat, les coups durs, etc. Les coups, les hauts, les bas, oui. Bon, c'est ça. Je me suis dit, allez, tu lui envoies un petit message. En fait, tu renvoies une good vibe aussi. Tu vois, moi, c'est avec le genre d'entrepreneuse que j'ai envie de travailler également. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Trop bien. Papa, qui ne tente rien, n'a rien. Ouais. On tente, on discute, on échange. Et puis, on verra. Oui, ces escaliers-là, ils sont trop traîtres. C'est bien quand tu arrives à la salle de sport, tu descends, tu es motivé. Vous voyez comme je descends vite. Au retour, pour y remonter. Au retour, il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Descendre, c'est bien, mais quand tu as déjà fait toute ta séance et que tu as mal aux jambes, il faut remonter. Ah, c'est ma Kim qui est là. Là. Moi, je prends bien. Ça dégage moi. Les poignets rouges, c'est encore des tractions? Moi je fais quoi? Et toi tu fais quoi? Moi je fais rien, moi je suis un feignant, moi je fais faire. Allez, plus par là-bas. Voilà. 6, 7, 8, 9. Allez. 11. Inspire, expire, 12. Tu tu fais ça. T'as c'est un accompagnement. Quelle est cuisse brûle. Allez, dernière, c'est la dernière série là. Attends. Attends. On y va. Allez. Je te lâche pas, je ouais, je sais. C'est moi une cuisse qui nous lâche. Allez, on y va. Allez, come on. Allez. Hop. Les copains, la séance. Ah là 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 là, qui m'a envoyé? Au plat, mes Julicius! J'espère que vous allez bien. Hier, j'avais plus de mémoire. J'ai pas pu vous montrer. J'étais chez Jessica de la Chance après le sport. Et du coup, on a refait les ongles, enfin! Depuis le temps qu'on attendait. Et je vais vous montrer la DA du coup que j'avais en tête. Vous allez capter direct. Attendez, laissez-moi finir de presser ce citron. Regardez. Voilà, je voulais des bouts dorés comme ça. Pour après, je vais mettre plein de bagues dorées. Et après, je mets des grosses créoles. Vous voyez un peu la DA que je veux faire? Je pense que vous voyez. Les amis, comment on avance sur cette histoire de stand? Laissez-moi boire une gorgée. Je ne sais pas si on n'est pas bon ou si on est trop bon. En tout cas, dans ma tête, je sais exactement ce que je dois faire. Enfin, voilà, dans la construction. Je sais comment je veux m'y prendre. Là, je cherche absolument un bricoleur, un charpentier, quelqu'un en tout cas qui sait monter les tasseaux entre eux. Tu vois, pour m'aider, pour nous assister. Je sais que les filles, on est capable de le faire. L'année dernière, on l'a fait un peu à l'arrache. Si je prépare en avance, je pense qu'on peut le faire nous-mêmes. Mais au cas où quand même, tu vois. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est les mecs qui savent faire et tout. Non, je veux juste quelqu'un dont c'est son métier de base. Moi, je suis une amatrice qui a un besoin et qui va aller faire son besoin. Donc ça c'est ça. Les amis. Ah ouais, je voulais vous dire merci pour vos retours sur les deux derniers, les trois dernières vidéos. Le dernier vlog et les vidéos où je vous raconte tout. Et en plus, vous m'avez envoyé tellement de messages, que ce soit en commentaire et en DM. Me parlant vous aussi de vos expériences, de vos ressentis. Je parle pour ceux qui entreprennent et qui avaient envie de partager ça avec moi. Franchement, avec grand plaisir, continuez. Comme ça va me permettre de vous faire d'autres vidéos sur le sujet et qu'on soit tous moins seuls. Et je pense que petit à petit, j'ai compris, beaucoup sont isolés. Il faut que je mette en place quelque chose où les gens qui ont envie, qui ont des questions, nanani, puissent un peu plus se rapprocher. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Julie, t'es où exactement? Je ne comprends pas, je croyais que t'étais à Miami et tout. Les amis, petit à petit, il y a d'abord cette NHA à gérer. Je suis revenue. Il y avait la Foire de Paris, il y avait la NHA. Il y a le brunch and make-up. Oh, le brunch and make-up aussi, trop bien. La Mandy. Mandy Traiteur, celle qui va faire le Catherine.
Elle est trop chaude. Tous les jours, elle me dit, je peux rajouter ça. Je peux rajouter du pain choco. Je peux rajouter de mon blanc. Je dis, mais madame, rajoute ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et donc, ça, c'est fun. Et ben voilà, pour la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, j'ai une réunion avec une de mes clientes. Après, il faut que j'aille chez Primark. Et après, il faut que je continue cette histoire de... Seigneur. Ah oui, on doit tourner aussi une vidéo pour le sérum. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Alors, attendez, ça a l'air bizarre, effectivement, quand on regarde comme ça. Mais en vrai, c'est pas mal. Et après, quand je mets tous les accessoires, alors je suis pas make-upée. J'ai juste mis du sérum et de la crème sur mon visage. That's why. J'ai un pantalon jaune fluo long. Je vous montrerai après, en fait. Et... C'est quoi, ça, encore? Le pigeon, tu vas pas rentrer chez moi, non? Bref. Et ce haut qui était à la base une robe et que j'ai décidé de mettre en haut pour être sur du marron et jaune qui vont avec mes ongles dorés. Vous avez compris? C'est calculé. Qu'est-ce qui manque? Un make-up, un petit gloss, un peu d'attitude. Ça va venir. Aujourd'hui, je sais pas, mais ça va venir. C'est tout. C'est tout. Non, là, il faut... Là, et par contre, j'ai trop hâte. Quand tout ça sera terminé, on va dormir fort. On va dormir. Non, vraiment reposer le corps. Allez, à tout à l'heure. Vous parlez des choses, j'espère que vous allez bien. On est samedi, c'est le jour de brunch. Ouh, regardez comment le soleil popping ma peau dans ce haut orange. On va se mettre un peu dans l'ombre pour vous parler, un petit peu. Bon alors, il est 8h30, on s'en va pour installer. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis toujours, toujours en train de blinder cette voix. C'est pas possible. Voilà, tout ça pour le brunch. Bon go. Pour tous ceux qui me demandent, elle est où la Twingo? Elle est là. Attendez. Elle est là, ma Twinguette, la pauvre. Faut que je lui mette une batterie, en fait. Voilà. Donc, si jamais il y a un bricolo dans les... Je sais pas, un bricolo, un mécano dans les parages qui veut me mettre une batterie, je pense que je sais le faire, mais je pense qu'il y a un petit peu plus que la batterie à mettre. Et voilà, elle est là, ma petite Twingo avec Cécile. Elle est sale. Je la nettoierai, je vous la remontrerai. Et d'ailleurs, en parlant de bricolo, je suis toujours à la recherche d'un mec... ou d'une meuf, hein, on s'en fout, qui sait monter des contreplaqués sur une longueur de 10 mètres. 10 mètres et 5 mètres. En gros, construire un truc en contreplaqué pour venir m'assister, s'il vous plaît. Si vous avez ça, je suis preneuse pour la NHA, puisqu'on n'est plus qu'à une semaine de la NHA. Et je n'ai pas ça. Mais on a avancé sur pas mal de choses. On a un DJ. On n'a pas encore le gâteau. On a un DJ. On a un DJ. Non, on a un DJ. J'avais pas pu récupérer certains de mes produits. J'ai trouvé un moyen d'en récupérer. Parce que sinon, sans produit, je vous avais expliqué. Ah, donc, je suis trop contente. J'ai récupéré des palettes que vous me demandez à corps et à cri. Donc, la palette Célébrette 1, la palette Célébrette 2, il y en aura. Venez. Le sérum sera en précommande. Venez. Le mascara, il y en aura. Venez. D'autres surprises. Venez. 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 Sinon, c'est disponible sur le site. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais peut-être y aller parce que sinon, j'étais bien à l'heure. Je vais finir en retard. Voilà. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais cette voiture, c'est à qui, Juju? Eh ben, c'est pas moi. C'est la voiture de la Madrid. Officiellement, c'est la voiture de la Madrid. Voilà. Et vous posez beaucoup de questions. Hein. D'ailleurs, j'ai décidé maintenant, chaque vidéo, je vais mettre mon commentaire préféré. Soit parce qu'il était le... Je sais pas. En fonction de quoi je vais doser, je ne sais pas, mais je vais faire. Voilà. Sinon, comment on est niveau physique? Là, j'ai envie d'un Red Bull. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas besoin de Red Bull ou de choses comme ça. Quand j'en viens à en vouloir, c'est qu'on est déjà dans la fin. Enfin, voilà. Si je vois du Red Bull, je reste réveillée une semaine. Et là, très clairement, je pense que je reste réveillée à courir partout jusqu'à ma prochaine assise dans un avion. Voilà. C'est-à-dire que bientôt, il y a une prochaine assise dans un avion. C'est tout. Des bisous. On est arrivé. Désolée pour ma dégaine. Regardez tout ce que je transporte. On est arrivé au lieu du lieu du cours. Je vous montre après. Attendez, on rentre dans la fin. Ça. Oh là là. Toujours transporter des trucs. J'ai un seul aller-retour à faire. Je pouvais prendre le dernier truc. Vous êtes où là? Vous ne voyez pas. Je pouvais prendre le dernier truc, mais j'avais flemme d'être encore plus encombré. Voilà. Et voilà les Jouissous, on est arrivé dans ma salle de formation.
C'est incroyable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a eu une petite cuisine pour faire le brunch et tout. Ça va être trop bien. Ah là 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 là. Je vais aller chercher notre sac. Mettre en place. Les amis, regardez, t'apprends fort, hein. Alors, je vous montre déjà la partie là. Et là-bas, il se passe des choses. J'arrive. Mais je vais me dépêcher, je dois aller chercher des gobelets. Ah, j'aime bien, hein. J'aime bien ce qui se passe. Salut, les filles. Hello. Waouh. Les Dulicious avec les filles, on est prêtes. Hello. Tout est en place. Franchement, c'est quand vous allez voir ce vlog, vous allez me dire, ah, j'aurais dû venir. On vous avait dit de venir, n'est-ce pas? Franchement, fallait pas rater. Fallait pas la prochaine rater. Édition, ça va intérêt d'être là. Franchement. Alors, je sais que la Guadeloupe n'arrête pas de me demander, tu vas venir faire en Guadeloupe? Hein, voilà. La Guadeloupe est venue en métropole. La Guadeloupe est venue en métropole. Mais tu es là-bas, sinon? Non, je suis ici. Ah, ici. Bon, tu es ici. Tu nous parleras un petit peu plus de tout ce que tu fais. Tout à l'heure. Restez gentil. On y va, je vais chercher les filles parce que mon téléphone sonne. On est. Parce que c'est ma spécialité. Comme vous avez dit, vos petites crevettes, jambon fromage, chèvre miel et poulet. J'ai fait également des petites viennoiseries et de la brioche perdue. Et vous avez des cupcakes qui sont quand même un peu originales puisqu'on ne les retrouve pas partout. J'ai fait des cupcakes framboise passion et ananas coco. Bon, ça y est, notre première journée de vlog de brunch and make-up est terminée. Attendez, je vous essuie un peu les gars, essuyez votre bouche là. Vous avez trop mangé. Vous avez mangé tous les plats de Mandy qui est là, elle en stresse un peu. Hello. Alors merci Mandy, déjà merci beaucoup. Avec plaisir. Pour cette merci proposition. Merci à m'avoir permis de participer à cet atelier Brunch and Make-up. On ne sait pas pourquoi vous n'étiez pas là. Ouais. Elle a fait son make-up, tout le monde est en flic. Si vous voulez la retrouver, je vous mets évidemment toutes les infos en barre d'infos, mais je te laisse dire un petit mot si tu as envie. Alors du coup, c'est Mandy Streeter. Vous allez me retrouver sur Instagram avec le même pseudonyme, là, Mandy Streeter. Ça apparaît ici, voilà. Voilà. Et vous pouvez également me contacter via WhatsApp au 07 58 82 80 84 et là-bas vous avez mon catalogue ainsi que la page qui vous permet de faire des devis. Ah, je remets... Bonne journée. Je vous remets tout ça en barre d'infos. On dirait on est sur c'est quoi la télé en Guadeloupe là et Canal 10. Donc vous me retrouvez au 06, appelez-moi et tu fais toute cérémonie. Mamou. Tu fais toutes les cérémonies, t'as toute oui. Taille de réception. Oui. Ok. Les amis, moi j'ai eu le temps de goûter le beau kit. Comment je dis j'ai le temps, c'est parce que ça allait vite. Hein, c'était bon donc. Pour l'instant, on propose que des beaux kits, des petites pièces. Mais un jour, on va proposer les plats de chez nous là. Vous c'est en vrai? Pensez même pas. C'est vrai? Oui. D'ailleurs, le poncho coco, t'en as pensé quoi? Mais c'est ça, il est où mon verre? Attends. Oh, mais il était on vachement fait pas des choses bon. Comme ça. Non, mais attends, c'est vachement bon. Justement, j'essaye de dire, de négocier s'il y a la NHA, hein, si on a un stand. Pourquoi pas avoir un peu de poncho coco pour venir traquer avec ça nous. Ça se négocie, voilà. Ça se négocie. Vous verrez, il faut venir. Donc. C'est débrouillé quand même, hein. Franchement, c'était nickel. Merci, Julie. Je viens de finir le brunch and make-up, c'était trop cool. Je brille comme une boule à facettes. Mais c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. L'édition, elle était trop bien. Le repas, c'était trop génial, génial. Laisse-moi fermer la vitre avant que quelqu'un arrache le téléphone. Et là, il est 18h, on est samedi. Je m'en vais éditer ce vlog pour que vous puissiez l'avoir demain matin à 10h. Et là, j'ai des messages de la NHA. Non, je passe chez le roi Merlin pour qu'on puisse voir un peu pour le stand ce qu'il en est. J'ai toujours pas trouvé mon bricolo, mais qu'est-ce qu'on avance bien. Oh, tout à l'heure, avant d'éditer, je vous montre le plan que j'ai imaginé et que j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide d'une ancienne cliente copine. Oh, pardon. Je suis au milieu de la rue. Une ancienne cliente copine collègue, Melika, qui m'avait aidé quand on faisait le Get Beauty. Je sais pas si vous vous rappelez du Get Beauty.
Et je l'ai recontacté et tout. Elle m'a grave aidé pour le plan. Je vous montre. Donc, du coup, on a le plan exact de ce que j'ai en tête. Là, je passe chez le roi Merlin. Je vous montre les images. Je rentre à la maison. Voilà. Et bonne nouvelle. Trop cool. On vient de l'Anacha. Un petit message. On aura le dimanche photobooth pour venir faire vos photos. C'est trop cool. J'ai pas de stand. J'ai pas le stand, j'ai pas les murs, j'ai pas la peinture, j'ai pas le budget forcément pour l'avoir d'ici dimanche, mais on va faire. Eh, je suis surexcited, je suis fatiguée, je suis surexcited. Vous voyez quand les enfants, ils ont mangé trop de sucre, ça c'est moi. J'ai pas mangé de sucre, mais là on commence à atteindre ces niveaux-là. Mais le brunch à make-up était trop cool. Les filles, elles étaient trop cool. Mandy, elle était trop cool avec ses copines Abigail et Danelle. C'était vraiment génial. Je suis trop contente, j'ai trop envie de refaire. Je sais qu'en Guadeloupe, vous allez me dire, c'est quand tu fais en Guadeloupe. Et vous allez me dire aussi, c'est quand tu fais en Martinique et tout. Mais ouais, je vais vous dire quand il y aura une prochaine édition. Et la prochaine fois, on met il faut que je fasse en sorte qu'il y ait une petite ambiance et un petit DJ. Toujours plus, moi. Toujours plus. Voilà, bon, allez, on va chez le roi Merlin. Mes jambes commencent à me lâcher, les gars. J'ai trop de couvertures, j'ai trop mal au pied. Mal au yep, de rester debout, de courir. Mon corps, les courbatures du sport. Mais ça va aller. J'ai dit, on craque pas, on lâche pas avant le 7. Et encore, j'ai même bien envie de dire le 10 juin. Parce qu'on a des choses à faire jusqu'au 10 juin. Mais pas de pause, pas de dodo. Enfin, s'il y a un peu de dodo avant. Mais je pense que là, on va commencer à passer sur les vitamines. Je suis très honnêtement avec vous. Et il y a un truc, je vais vous donner un petit tips. Quand vous êtes fatigué, et en gros, des fois, vous me dites, mais où est-ce que tu puisses ton énergie? Dans le mot énergie. Je vous jure, essayez ça. Un jour, quand vous êtes fatigué, et que vous dites, je suis fatigué. Par exemple, je sais que ces trois derniers jours, je l'ai beaucoup dit. Alors que, bon, bah, c'est pas forcément le mot qui me sort le plus. La parole est... La parole peut transformer. Donc, si vous dites je suis fatiguée, c'est sûr que vous êtes fatiguée. Et maintenant, dans le même état d'esprit, si la parole peut transformer dans le mot énergie, si tu dis énergie, alors je ne vais pas le faire là parce que je suis dans le roi Merlin, mais genre vous vous levez le matin, ou au moment où vous êtes fatigué, vous dites énergie. Je vous jure, c'est vrai. Juste que le fait de dire énergie, et bien vous avez l'énergie qui vient. Vous allez me prendre pour une folle, mais faites-le. Quand vous êtes fatigué un jour, dites énergie. Et bien, la puissance des mots va faire que vous allez avoir ressentir un petit boost d'énergie. Bon, c'est bien beau, je suis arrivée dans le roi Merlin. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, moi, je dis du placo depuis. Je crois que j'ai déjà peut-être dit ça dans le vlog. Mais en fait, c'est du contreplaqué qu'on a, qu'on veut. Et chez les bricoleurs, visiblement, c'est pas la même chose. Oh, il y a des miroirs. Non, il va falloir comme toi. Parce qu'effectivement, il faut que je mette des miroirs, moi, mais. Make-up artist, what do you think about it? Je jette un coup d'œil au papier peint aussi au cas où. Bon, on fait le tour. Alors, chez le roi Merlin, j'allais dire qu'on n'a pas les planches comme on cherche. Mais effectivement, il y a des tarots ici. Du verre plexiglas, c'est pas ça qu'on veut. Plan de travail, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. En fait, je trouve pas comme on est parti voir chez Brico Dépôt. Vous voyez, des grandes planches de contrepaquet, on n'a que ces tailles-là. Mais ça, c'est pas ça qu'on veut. Ah, attendez. C'est pas ça, ça c'est petit, hein. C'est pas ça qu'on veut. Ah, c'est écrit ici. Contreplaqué existe en largeur 40 et 60 cm. Épaisseur 5, 10 et 15. Ok. Ah, et les tarifs sont là, c'est ça? Attendez, je dois bien regarder. En gros, je dois chercher ce que je veux ici. Et demander. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Écoute, on va voir. Ah, j'ai compris leur délire. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est des morceaux de ce que je pourrais avoir. Et après, je prends la taille. C'est ça? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix est où? Alors, attendez. Thank you.
allée chez le roi Merlin, ben nul, déception. Il n'y avait rien, enfin rien. Oui, il n'y avait rien. Hein. Les planches étaient nulles. Et il n'y avait que des petits bouts de planches. C'est le roi Merlin, je ne comprends pas. Direction Gémeaux. Parce que qui c'est qui n'a pas de, encore le, les, la tenue du, de son staff? C'est moi. Donc on va voir, il y a quoi chez Gémeaux. J'avais de grands espoirs sur Primark hier. Il n'y avait rien. Déception. Que des couleurs un peu bizarres pour un début d'été. Donc ça m'énerve ça là. Que des couleurs un peu bizarres pour un début d'été. Allons voir chez Gémeaux si c'est mieux. Quand je regarde comme ça pour l'instant. Mis à part des maillots de bain bariolés. Bah, si on était en maillot de bain, oui, j'avais trouvé des choses qui correspondent. Spond. Mais voilà. Bon allez, on va voir. Alors les amis, j'étais médisante, mais là je tiens quelque chose. Bon, c'est un peu cher. Pour en prendre pour tout le staff, chaud, enfin très chaud. Mais il y a moyen de faire une DA. Il y a une moyen de faire une DA là. Il y a d'autres petites choses, mais il y a moyen de faire une DA là. Moi je. Mon cerveau réfléchit. Même ça j'aime bien, mais ça n'a rien à voir. Là il y a une DA. Hein. Là il y a une petite DA. Je vous le dis. Là il y a une DA. On a besoin d'un petit réassort de. De bon. Ah ouais, je vous ai pas dit ce que je suis en train de faire. Je viens de rentrer du brunch and make-up. Je sais pas si vous me voyez. Je viens de rentrer du brunch and make-up. Je me suis retiré mon arbi de lumière orange. Et vite, vite, je dois absolument, avant que le soleil se couche, bomber ces trucs là, comme ça sera fait. Ça fait deux NHA qui manquent un bout de couleur. C'est bon, cette année le tonneau sera full peint. Donc on va faire ça. Je suis dégoûtée, je crois que j'ai pas pris la bonne couleur. Oh non. Je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est pas bon. Allez là. C'est un échec. C'est pas la bonne teinte. Je suis dégoûtée. Bon ben les amis. Je vais finir le vlog sur ça. Attendez. Bon, bah écoutez, je vais finir le vlog sur ça. C'est pas la bonne teinte, je suis dégoûtée. En plus, j'ai hésité, l'autre elle était juste à côté. Bon, ça va pas être perdu puisqu'on va s'en servir quand même pour le stand. Je vous laisse. Je laisse sur ça. Je vous souhaite un bon dimanche puisque cette vidéo apparaît un dimanche et dimanche matin, je galère pas comme dimanche dernier. Je vous laisse continuer à aller voir la vidéo de dimanche dernier qui est quand même très importante. Le vlog est sorti mercredi aussi, mercredi dernier. Et je vous donne rendez-vous là, la team YouTube, si tout se passe bien, dimanche prochain qui sera officiellement le dimanche de la NHA. Donc vous découvrirez si nous avons eu un stand, si... les choses se sont bien passées, si j'ai bombé ça dans la bonne couleur, dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je mets ici mon commentaire préféré de la vidéo, de la dernière vidéo. Voilà, des gros bisous à toi. Et ouais, ah, je suis dégoûtée, c'est pas la bonne teinte. C'est pas grave. Je vous fais des bisous, encore merci pour vos messages, encore merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Juicy's Cosmetics et précommander votre sérum hydratant qui va juste apporter repulper, apporter du soin à votre peau. Regardez, je cours partout, je suis fatiguée, mais regardez comment je suis fraîche. C'est à cause du sérum, c'est grâce au sérum. Bref, c'était la petite auto-pub. Et puis je vous dis à dimanche prochain les amis. Alors dimanche prochain, j'espère vraiment qu'il va sortir en time. Parce que comme il y a la NHA, ça veut dire qu'il faudra que j'ai édité. Soit vous n'aurez pas la NHA dans le prochain vlog, soit vous n'aurez que le montage ou pas du stand. Pour que je puisse avoir le temps de vous la mettre dimanche matin. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, entre temps, on se retrouve sur TikTok, sur Insta. Et c'est déjà bien. Des gros bisous, ciao ciao.